À la lucha. Les autorités visées par cette plainte sont entre autres Mundo Bakwanama Modeste, maire intérimaire de Beni, lieutenant-colonel magistrat Jean-Baptiste Kumbungoma, substitut de l'auditeur général près la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, le commissaire supérieur principal François Kabeya Makosa, commandant de la police à Beni, le capitaine Gérard et le lieutenant Hubert Kambandani, substitut de l'auditeur près le tribunal militaire de Garnizo Beni Butembo. La copie de cette plainte a été déposée à l'auditorat militaire de Garnizo Beni Butembo. Le dépôt de cette plainte a été précédé par une marche pacifique à la Dirop et Maman Stella de Matongé, passant par l'hôtel de ville de Beni jusqu'à l'auditorat militaire. Ces manifestants estimés à plus d'une centaine, leurs mains étaient liées par une même corde les uns et portèrent des calicots les autres. Sur ces calicots, on pouvait lire Beni Sankabea, Kumbu Hubert et Bakwanama. Beni crie justice, nous en avons marre de votre complicité dans les tueries de Beni. Nous voulons la justice pour tous, non à l'instrumentalisation de la justice, etc. Fait des citations. À la mairie de Beni, ces manifestants ont demandé au maire de la ville de démissionner de ses fonctions, sous prétexte que le comité urbain de sécurité a montré ses limites dans la sécurisation des civils. Le maire Bakwanama, alors l'un des incriminés, a pris acte des revendications des militants de Lucha, ça donnait beaucoup de commentaires. Il a toutefois remercié les manifestants pour leur expression qu'il a qualifiée de légitime. Nous prenons acte de cette position que vous affichez. On a c'est à la recherche de la paix. C'est légitime. Très bien, merci. Cette manifestation a connu la participation des militants de Lucha venus de Butembo, à 54 km de Beni, et ceux de l'intérieur du territoire de Beni. Le mercredi, la veille du dépôt de cette plainte, la Lucha, qui accusait les autorités suspensionnées de haute trahison, a évoqué ces accusations dans une déclaration de presse sur la situation sécuritaire dans la région de Beni. Ils ont parlé des comportements scandaleux et inconstitutionnels à charge de ces derniers et ont exigé l'ouverture d'une action disciplinaire et judiciaire contre les dites autorités.